Internautes ou téléspectateurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de position sur la planète ça. Moi c'est Watson Marotier Lazazan. Nous tous connaissons, nous assistons ensemble avec l'équipe Loco Production. Jeudi, nous partons pour une autre nouvelle émission Découvrons, puisque qu'on est objectif Loco Production, c'est aider nous à chercher qu'on est la réalité mirbalésienne qui est située dans le plateau central. Eh bien, jeudi, nous allons faire connaissance avec Mirbalais. Peut-être pour vous-même qui en dehors de Mirbalais, ça fait plus passer 20 ou 25 ans. Même j'ai tout gain des étrangers qui tendaient parler de Mirbalais, mais qui pas connaît qui ça qui Mirbalais. Eh bien, je dis à grâce avec Loco Production, n'a privé porter pour vous qui ça qui Mirbalais. Comme nous en bas soleil là, moi en bas un soleil d'été qui bien chaud, qui assez intéressant, un pile feeling à dégager. Nous pral lier connaissance ensemble avec ça qui relé ville Mirbalais, qui côté le sorti, côté non ça sorti, qui ça altéré dans l'histoire et qui ça lié journée aujourd'hui. N'a pas observé premier pause, on a fait premier campé nous, retourner pour deuxième partie, nous pral porter pour Mirbalais. Nous retournons encore, mesdames, messieurs, à présent pour nous parler de Mirbalais. Mirbalais, depuis la nuit des temps, il était existé. Ça a bien arrivé que Mirbalais existait avant même que nous-mêmes nous existions. Mais cependant, il n'y a pas de Mirbalais. Non, Mirbalais a été côté que l'été sorti. L'été fait, l'été marqué l'histoire quand même. Eh bien, on a commencé avant même que Mirbalais était relé Mirbalais. Qui n'ont que l'été gagné avant? Bon, c'est ces questions en pile dans nous avons posé. Ville ça que n'a regardé là journée jeudi an que relé Mirbalais avant même que l'été relé Mirbalais l'été relé quartier défensif. Ça veut dire c'était tellement l'été gagné de points stratégiques de combat qui te permettent que ville ça que n'a regardé là journée jeudi an yon li même l'été tellement stratégique sur le point de combat et bien yo était obligé relé le quartier défensif puisque nous connaît Haïti. D'après ça, l'histoire rapportée en 1492, Christophe Colomb a atterri sous Tiboutè, ça, côté l'été joint une série de moun à peau rouge. Après, moun ça a été tellement pas de travail, était encore, il a mouru pas pile pas paquet. Eh bien, il était obligé d'aller en Afrique, et c'est là où il a sorti avec des Africains, qui ont même travaillé travail dans le champ, qui a éparpillé sous tout territoire à cette époque, qui était les Saint-Domingue. Mais vin joine que te gagné monsieur français yo qui était occupé le plateau central puisque monsieur français ça même qui était établi base yo et dans ville ça eh bien vu avec paysage là qui était semblé même gens avec yon ville en France eh bien paysage là en matière de animaux pour ça qu'il était gagné comme bête sauvage et pour gens paysage là même il était présenté eh bien c'est là monsieur était dit bon ici assemblé avec Mirbalais la caillou et puis il était tout baptisé le Mirbalais. Depuis le ça ville ça prend naissance lui-même le 25 août 1702. Mais en 1723, il était déplacé ville ça, il était metté l'autre bois la Tibonite dans localité Balmette. Mais après les nèg yo te vin garder point stratégique par rapport avec attaque que yo te kon subi nan men ennemi, yo te retourné ville ça dans place li. Yo te vin déplacer ville ça encore, yo t'al metté dans localité et Trianon. Mais il n'y a pas de carité dans la localité de Trianon par rapport avec faiblesse qui a gagné dans la zone nan, par rapport avec fort qui n'a pas construit, il a été retourné encore côté lié, je ne dis pas.
Pour ma ville mi en balai. Peut-être en pile nous t'apprend même mandem qui côté me positionner là pour me ta capable à bail image ça qu'après transmettre là grâce avec le coproduction. Eh bien ou même qui connaît mi en balai, bien m'a dit que moi retrouver me dans rentrée gauche ville mi en balai et pour ou même qui connaît mi en balai bien avant ou en point. C'est peut-être une raison qui fait ouais que m'a dominé rentrée ville là là. L'année n'a pas gardé mis en balai de nos jours. L'important pour nous y aller pour nous que mis en balai sur le plan agricole, il pas gain une spécificité. Ça t'a voulu dire qui ça? Mis en balai bail ton petit cal dans chaque produit qui sortit dans la terre. Tant que l'époque banane, mis en balai bail banane. Les lalo, li bail lalo, les petits mille bail petits mille, ainsi que maïmoun induire pour ne citer que cela. Eh bien, ville mis en balai ça que n'a pas gardé journée aujourd'hui à là, c'est une ville qui envoie des développements. Tant que si n'a pas gardé là, moi soutenir une rivière. Assurément, en pile dans notre après même mandé qui rivière ça. Ça, c'est la rivière la tombe. Que en pile moun rele la tembe, le a fait chelbe. Mais faut que moi dis nous, rivière ça, il était marqué l'histoire. Mais avant même que je parle nous de l'histoire, m'a dit nous que mi en balai gagne trois rivières qui traversent. Le premier, il y a la rivière la tombe, que nous soutenons là, il y a la rivière de fer à cheval, ainsi que le fleuve Artibonite. Le fleuve Artibonite, si nous regardons bien là, dans la fin rivière la tombe, nous regardons la connexion qui fait après pont là. Par contre, si nous regardons même gens ensemble avec moi, pour nous, une rivière qui passe et descend tout droit là, dans la fin rivière la tombe, ça c'est le fleuve Artibonite. Côté, nous avons joué qui est le bouchi la Artibonite. Un bouchi qui est très fragile. Moi, je parle de la Mirbalet et de la rivière la tombe qui marquait l'histoire à travers la ville Mirbalet. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que la rivière ça que nous regardons là, en 2008, sous cyclone qui t'a frappé pays, il y a parmi le cyclone Ike, si je ne me trompe pas, il t'a écrasé un gros pont pays à Tegen Laden qui c'était Pont Latem. Pont Latem qui était fait par des experts canadiens, eh bien, tu as pris la victime, tu as pris le écrasé et nous songeons que quand il était dégâts, rivière ça a été fait, côté il t'a pris un cas, il t'a pris une machine, il t'a poté aller sous route, tout ça a été croisé. Mais à côté de rivière Latem qui t'a marqué l'histoire dans pont en 2008, mais en 2009, soi-disant un an plus tard, rivière ça, c'était origine choléra. Ça te veut dire qui ça? Puisque nous songeons présence monsieur ministre en Haïti depuis après départ ex-président Jean-Bertrand Aristide, qui est toujours là à nos jours en 2013, que personne ne va qu'il est au bralé. Eh bien, monsieur, ça a été établi. Basio, dans rentrée ville mien balè nan mei, eh bien, te utilise rivière la tem pour te capable de faire tout besoin physiologique yo. Ça veut dire, monsieur, ça qui te rentré des tuyaux qui te sorti dans base ministère mei, te lagé dans rivière la tem, eh bien, matière fécale que monsieur te lagé dans de l'eau, t'as pral produit choléra et nous pas oublier le regretté de mémoire et Salgado, c'était premier mien balésien qui te attrapé maladie choléra et qui te mourir là-dedans. Et ensuite, de suite, choléra t'as pral propager à travers vers pays et pourquoi pas la république voisine, nous voulons parler de république dominicaine. Je dis là, si nous regardons là, image ou regardons là, ça c'est rentré ville mien balai. Peut-être pour même qui quitte mien balai longtemps, nous avons là, ça c'est Kaitine, puisque vous avez songé projet ça avant de partir. Mais là, puis devant nous, là, ou regardons, dans rentré ville là, où est une construction qui a fait. Construction ça, c'est une gaoutière. Que actuel député circonscription, déconseillé avec la mairie, il a décidé de mettre en évidence yon gaoutière vu avec évolution mien balai puisque jodi a mien balai bénéficié pi gros l'hôpital qui gen nan Caraïbes là sans nous pas oublier yon centre universitaire public et pourquoi pas école de l'eau et école nationale de l'eau et de l'assainissement pour ne citer que cela. Ça t'a vle dit que mien balai a évolué. Et bien toujours sous mien balai si n'a bien gardé diaporama là n'a poué yon tête bâtiment crème ou même qui par contre mien balai m'a dit bâtiment ça va regarder là c'est l'église baptiste de mien balai. C'est la première église baptiste de ville Mirbalet. Et puis, bah, l'église baptiste, là, si nous regardons, nous avons l'autre gros tête construction encore. En pile, le monde a demandé qui s'allie, ça, c'est l'église catholique de Mirbalet, qui est Saint-Patronique, qui c'est Saint-Louis. L'église, ça, c'était là, avant même qu'elle était l'église catholique, c'est là Toussaint et l'ouverture, c'est qu'on fait en pile réunion. Et M. Boyer, ex-président d'Haïti, eh bien, monsieur, c'était là, monsieur était fait Kaili, et tout de suite après, qui t'a pral transformé en l'église. Et devant, il y a une place d'âme, assurément, cap très difficile pour nous garder là. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure dans le commencement de Shoah, nous avons parlé de Parc Saint-Louis de Mirbalet, même j'en ai souhaité garder l'image hôpital universitaire de Mirbalet, eh bien, voilà mes réalités. Qui c'est Parc Saint-Louis de Mirbalet. Parc Saint-Louis de Mirbalet était prêté une chance ou un jour sous député madame Max Adolphe. Depuis le ça, il était arrêté, il était relé le terrain football de l'autre bord. Mais avec ASM qui était prêt naissance, qui était après le champion 2003-2004, il
yo te vin chwazi rele l Pak Saint-Louis de Mirebalè, piske nou konen Saint-Louis se saint patron vil Mirebalè ki li menm te pren nesans nan l'anè 1702. Et bien Pak Saint-Louis de Mirebalè, dan un premier tan ki te kon diskite championnat interregional, et poukwa pa le championnat interskolèr, men ki te kon diskite tou, championnat ki te mette Flèche d'Or et te kapab di en valeur Flèche d'Or Bolide et la Noire pour ne citer que cela. Et bien en 83 nous songe Mirebalè qui t'apprend le champion avec un gros footballeur mirebalésien que l'histoire marqué, nous voulons parler de Jude Dorville qui t'apprend et lui-même marqué l'histoire mirebalésienne. Et bien c'est là football Mirebalè à quelques années plus tard t'apprend le prend nous capable dit et un bel élan dans football là. Et bien en 2003 association sportive mirebalésienne qui gagne en tête les Grégory Chevry comme président, et bien lui-même t'apprend le sacré champion et là Mirebalè t'apprend le rentrer encore dans l'histoire et c'est deuxième fois dans l'histoire que football en Haïti que gagne une équipe qui montait dans première division et puis qui touche champion dans même année. Et bien là nous trouvons nous dans Pak Saint-Louis puisque si n'ap gade Jean et diaporama au fait nous est Pak là lui-même qu'a rénové. Est-ce que yo pral transformer en mini stade? Nous pas capable de stade puisque nous connaît capacité un stade. Et bien mais je dis là nous est grand pile rénovation qu'a fait et nous est gagne matériel logistique de CNE qui c'est centre national des équipements. Là n'ap gade là ça c'est réfectoire j'aime te dire nous hein? Réfectoire ça là lui-même c'est là yo fait manger pour jouer football yo. Là, si nous regardons ensemble avec moi, j'en ai dit dans la première partie de l'émission et découvrons, nous avons parlé de Pont Latem. Eh bien, là, mais nous sommes dans la réalité. Nous prenons le fond de diaporama et puis nous prenons regarder l'histoire pour ça. Là, Pont n'a pas existé encore. L'écrasé depuis l'année 2008 sous cyclone Ike. En nous regardant un petit diaporama et puis pendant nous prenons expliquer la réalité à comment ça est. En nous regardant rivière avec d'abord. Là, nous regardons rivière la tombe. Côté, nous regardons phase ça là devant nous. Là, c'était la première. Pied pont lui-même était chita. Faut que nous disons c'est un film canadien qui était exécuté pour ça dans l'année 98-99 yo. Mais malheureusement en 2008 sous présidence René Garcia Préval, eh bien pont la thème d'après victime de cyclone Ike qui était écrasé pont. En pile monde te dit c'est conteneur blanc ministère yo. Mais point d'interrogation parce que il était passé dans nuit nous-même nous pas témoin. Depuis l'année 2008 à journée jeudi 2013 là côté que nous trouvons nous dans mois de juin pont pour que j'aime fait. Mais cependant en pile monde ta reme konnen pour qui ça. Faut que nous disons, les cyclones ont été passés sous pays d'Haïti, te gen plus passé 13 ponts en Haïti qui t'est écrasé et c'est seul parmi en Baléa qui pas trop fait. Est-ce que c'est absence de autorité ou bien c'est de mauvaise foi ou bien c'est manque de capacité politique ou intellectuelle, non pas connaît. Mais seulement Jean-Claude Lubin qui était dans 48e législature comme député, pas démêler le coup mettre Jean-Jacques déconseillé avec Jacques Jean-Wilbert le regretter mémoire dit Titi comme sénateur qui c'était tous les deux demi-balésiens pas mettre influence yo dehors pour te faire Mirebalè arriver bénéficier de pont un mandat René Préval fini sans pont la thème pas de fête. Cependant là nous arrivé avec président Michel Joseph Martelly qui c'est actuel président nan tête collée avec premier ministre Laurent Salvador Lamotte, gen député circonscription Mirebalè Boukankare nan 49e législature à Belle des Collines. Eh bien monsieur ça te prend tout plaisir pour te écrit un cahier de charge by premier ministre Laurent Salvador Lamotte et il te parlé de pont hein. Après un pile bataille intellectuelle dialectique politique pour pont ça te rivé fait nan date 8 mars te gagné un contrat qui te signé. Et si nous regardons devant nous là, c'est un film français qui aurait les matières. C'est lui-même qui arrivait bénéficier de contrat appel d'offres. TPTC te mette dehors, côté que yo signé un contrat pour capable reconstruire pour la thème. Pour ça, il faut que nous disions histoire pour ça l'idée importance capitale. Puisque c'est pour ça qui relève la première partie villa avec l'autre partie, qui vient là dans le Pak Saint-Louis de Mirebalè que nous sommes gardés ensemble. Et sans oublier l'hôpital communautaire de Mirebalè et pourquoi pas l'hôpital universitaire. Et de Mirebalè qui c'est plus gros l'hôpital Caraïbe là qu'on est. Pont la thème, journée jeudi à Nabgade, depuis si la pluie tombe dans zone Sodo, en haut pas monter, en bas pas descendre dans mi-temps Camperred, qui donc ou pas café, yon pas quitta, yon pas nago. Mais le Nabgade réalité à là, tout le monde a traversé à pied sec. Malheureusement, la pluie pas tombé. Si la pluie était tombée, ni l'ouko production, ni moi-même à Otse Watson Lazare, nous t'avons obligé de courir traverser pour ne pas dormir par boire ici. Imaginons yon moun qui gen urgence, dans quelle situation qu'on trouve ou. Cependant, pour en passer deux ans, mon Mirebalè passé deux ans à souffrir, à attendre pour en après mandat René Garcia Préval. Journée jeudi à contrat aussi, mais qui les travaux physiques qui ont commencé,
personne ne peut connaître parce que le film dans lui-même, il a seulement commencé à mettre des matériaux à terre, j'en ai gardé là dans le conteneur, mais il n'y a aucune explication pour dire qu'il a commencé, mais qu'il a fini. Mais seulement nous connaissons, contrat du réponse à supposé 9 mois, il n'y a pas qu'à aller au-delà de 9 mois d'après sa autorité. En plus, le monde a demandé qui est-ce qui t'a fait passerelle ça. Passerelle ça, puisque nous connaissons pas, c'est lui-même qui relie deux parties villa, eh bien, il y a une compagnie dominicaine, Elsa Mex, qui a fait tronçon route nationale numéro 3, mis en balai Port-au-Prince. Eh bien, c'est lui-même, dans la tête collée avec l'autorité qui était là dans le moment. Nous voulons parler de vice-délégué, ancien vice-délégué Raphaël Joachim, des conseils avec la mairie de Mirbalet qui était dans la tête du magistrat Loucha Laguerre, ainsi que l'agronome Johan Asgué qui était ministre à cette époque. Eh bien, monsieur, ça a été chita non tête collée, il a bail ensemble avec Elsa Mex, petit pastrel, ça que nous avons gardé là. Mais il faut que nous disions, je suis capable de garder Fatra qui bouche en bas de Pastrel. N'importe qui l'a appelé, il fait, tout le monde qui est l'autre bout de la terre, dès que vous n'êtes pas l'autre bout de obligé de courir traverser. Parce que si l'a appelé à barre, vous avez garanti que vous avez dormi l'autre bout de l'eau. Pas demander bonjour pas une personne l'autre bout qui a dormi la caillou. Vous avez passé une nuit la bout de l'eau à blanche. Et il faut que nous disions, ça, il prend machine, il prend caille. Et il était même arrivé à aller avec quelques citoyens qui ont tenté de faire imprudence. Mais en balai, journée jeudi, à une ville qui a parlé. À l'ère de la modernisation, est-ce que le possible pour situation ça a mis en balai à vivre ou même cap garder internaute ou téléspectateur, me penser ou même ou capable essayer pour tes réponses là.